Puisque c'est le cas et que les extraterrestres enlèvent des personnes et modifient leurs gènes, ne peuvent-ils modifier leurs gènes afin que des âmes de grande capacité ne soient pas en mesure de venir dans ce bas monde? Pas pour les processus n'impliquant pas les incarnations, mais ceux de processus naturels et biologiques. Les processus d'incarnation impliquent strictement les éthériques en densité 5 et en dessous, et de ce fait, se trouvent dans une enveloppe de triple voile imprégnable sous aucun cas. Ceci dit, tous les processus de densité 1, 2, 3 et 4 peuvent être manipulés à volonté si la technologie est suffisamment avancée. Pause. Nous savons que la vie et la mort sont des concepts intimement liés, en ce sens que les deux sont souvent indissociables, du moins entre les densités 1 à 5. En résumé, ce qui est dit est que vous êtes seulement sain et sauf avant la naissance, mais à la mort, une personne peut se faire intercepter. Souvenez-vous de la transcription des soldats qui sont morts durant la guerre de Vietnam, de Corée, la Seconde Guerre mondiale et de probablement d'autres guerres, mais qui se sont fait intercepter et réanimer. C'est-à-dire que des extraterrestres voient un futur court pour certains et que, disons, 50 secondes précédant la mort d'une personne, ils peuvent se placer à attendre que la personne meure et récupérer l'âme avant que celle-ci fasse son envol dans les différents plans d'existence lui correspondant selon son niveau. Pour les sceptiques, vous avez une fois de plus entendu l'histoire de soldats rapportant que les anges sont apparus devant eux et qu'ils ont reçu une intervention divine. Ces narrations peuvent être troublantes, car on ne sait pas si de un, la vraie personne n'est pas réellement morte, et de deux, que c'est l'esprit animant la réanimation corporelle qui parle, vu le concept. Au même titre qu'il existe des interventions divines, c'est aussi le cas pour les interventions démoniaques. Et clairement, les gens interceptés par des extraterrestres avant leur mort font partie de cas pouvant être catégorisés sous intervention démoniaque. Les extraterrestres sont à même de simuler les apparitions d'anges saints. Alors, nous vous donnons la réponse. Une fois de plus, c'est votre fréquence. Les gens étant plus susceptibles de tomber sous ce manège sont des gens à basse fréquence. Le truc d'enveloppe de voile triplet, vous l'avez en vous. En passant au-dessus des trucs du bas monde souterrain, les paralysies du sommeil ne fonctionnent pas, les interceptions, les abductions, lorsque nous avons le voile de triple enveloppe. En fait, avec ce triple voile, vous pouvez voir en live le moment où l'entité négative en question essaie de vous intercepter et de vous jouer une mauvaise surprise. Comme dit, ce triple voile enveloppé vous met au-dessus des trucs du bas monde souterrain. Reprenons. Ceci nous amène à une question spécifique. Cela nous avait été révélé à propos de la mort, mais aussi de la présence de triple voile imprégnable ne permettant pas ce genre d'activité. Comment ces deux sujets peuvent être conciliés? L'explication possible est que ceci arrive dans le tunnel de lumière blanche et que les malheureux sujets sont interceptés avant de transitionner en dimension 5. Exact. Ajustement temporel. En gros, ils savent qu'ils vont mourir et vont juste autant t'es juste précédant la mort, pratiquement. Qu'est-ce que les extraterrestres font avec le corps, avec ces corps dupliqués et réanimés? Que font-ils avec? Des travailleurs d'esclaves au service des forces ténébreuses. Fin de l'extrait. Pour ce qui est du titre, le processus mystérieux de la naissance, vous savez que nous disions que les sécrétions sexuelles sont sacrées, car composées de parts égales entre l'élément de feu, de l'eau, de la terre et de l'air, donnant l'éther un élément pur quatre-dimensionnel, qui est l'équivalent de l'addition exacte de ces quatre éléments. Et c'est pourquoi c'est à double tranchant, la fatigue après les activités sexuelles, car c'est votre forme d'énergie la plus pure, celle sexuelle. Alors le pourquoi du processus mystérieux est comment les relations intimes sont à même de conjurer, via un processus biologique et éthérique, des êtres de densité 5, car vous souhaitez en avoir la preuve du fait que les sécrétions sexuelles sont composées de parts égales des fameux éléments sacrés. Et notre réponse est une question qui va en ce sens. Si ce ne serait pas le cas, comment des relations intimes sont-elles en mesure de conjurer des êtres de densité 5 afin de venir expérimenter une vie en densité 3, sachant que la dimension 5 est une vie en partie spirituelle, une existence éthérique? Vous et moi, par exemple, constitue le produit et résultat d'une conjuration suivant un échange de sécrétions sexuelles entre deux êtres de sexe opposé, mais qui se souvient de sa naissance. Un autre grand mystère est le fait que ce ne sont pas vraiment vos parents qui choisissent vos noms.
Oh, ils peuvent le croire. Cela t'est fait par respiration. Ce sont des anges qui chuchotent le vôtre à vos parents. Voyez, Lazare n'existe pas. Donc pourquoi mes parents ont décidé de dédier un homme de nature asiatique, sémite, africain, européen? Rien n'est fait par hasard. Souvenez-vous de cela. C'est l'individu de profil oral qui compte et non la classification, le regroupement. Mais la nature d'une personne n'est-elle pas déterminée par l'âme de celle-ci et non par le corps physique? Partiellement, souvenez-vous que le profil oral et karmique s'unissent avec la structure physique. Êtes-vous en train de dire que les conditions physiques particulières sont une réflexion physique de l'orientation spirituelle, que l'âme doit correspondre aux génétiques, même si et même si seulement en termes de potentiel, précisément? Ceci dit, le potentiel de développement spirituel d'une personne dépend en grande partie de leur génétique. Le processus naturel se marie avec la construction systémique physique lorsque présent. Si c'est le cas, les extraterrestres procédant aux abductions ne peuvent-ils pas altérer les gènes afin que les âmes de haut niveau ne viennent pas dans ce plan d'existence, pas pour les processus d'incarnation, de processus naturel biologique? Ce processus dont il est fait mention implique strictement les éthériques au niveau de densité 5 et plus bas, et de ce fait est enveloppé dans un triplet circulaire de voile de transfert imprégnable sous aucune forme. Cependant, tous les êtres de processus de densité 1, 2, 3 et 4 peuvent être manipulés à volonté à quelque degré que ce soit, si la technologie est suffisamment avancée. Fin de l'extrait. Donc, même le nom aussi, votre nom est une fondation vous donnant des caractéristiques raciales, mais aussi des caractéristiques, la présence ou non, de l'élément spirituel en vous. L'alchimie est une discipline qui peut se définir comme un ensemble de pratiques et de spéculations en rapport avec la transmutation des métaux. L'un des objectifs de l'alchimie est le grand œuvre, c'est-à-dire la réalisation de la pierre philosophale permettant la transmutation des métaux, principalement des métaux vils comme le plomb en métaux nobles, comme l'argent ou l'or. Cet objectif se fonde sur la théorie que les métaux sont des corps composés, souvent de soufre et de mercure. Un autre objectif classique de l'alchimie est la recherche de la panacée, médecine universelle et la prolongation de la vie via un élixir de longue vie. La pratique de l'alchimie et les théories de la matière sur lesquelles elles se fondent sont parfois accompagnées, notamment à partir de la Renaissance, de spéculations philosophiques, mystiques ou spirituelles. Fin de cet extrait. Nous pensons que les alchimistes sont à la recherche de cet état, d'être en mesure de donner naissance en eux à des choses pures. À titre d'exemple, la naissance, mettre au monde un enfant sain, est considérée comme un miracle, pour des raisons évidentes. C'est la plus grande forme de manifestation trois-dimensionnelle qui soit. Les alchimistes sont à la recherche du balance entre le cœur et la tête, donnant l'immortalité. Le cœur est lié à l'élément de feu et l'air aux connexions nerveuses, et le cerveau donc. La plupart des êtres sur Terre ayant l'immortalité et vivant de longues années, genre 200 à 300 ans, sont vraiment des êtres bidimensionnels, c'est-à-dire 3 et 4 dimensionnels. C'est le secret, c'est-à-dire que si vous arrivez vraiment à atteindre le Saint Graal de votre vivant, vous êtes 3 et 4 dimensionnels, un processus connu comme la transfiguration ou l'ascension. Cela se manifeste autrement par le fait d'être toujours vivant, mais de leur point de vue, être invisible à l'œil nu des êtres du monde 3 dimensionnel, à moins que vous décidiez d'entrer en contact avec eux. Le premier organe qui se forme dans le fœtus est le cœur. Personne ici ne peut vivre sans cœur et cerveau. Les deux premiers organes se formant sont le cœur et le cerveau. Le cerveau émerge du cœur. De ce fait, les organes les plus fondamentaux de la vie sont donc les premiers organes se formant. Ceci dit, il convient de parler d'un sujet assez récent qui a été mentionné. Quel est le rapport entre le troisième œil et le cœur et la tête? Afin d'ouvrir leur troisième œil, certains ne font usage que des méditations vers la couronne de chakra et du cerveau, mais vous savez également qu'il est possible de voir à travers le cœur. Dans les écrits saints, on nous dit que le Seigneur juge non le cerveau, mais le cœur de la personne. Donc la vision du troisième œil ne peut être qu'activée à son plein potentiel si les chakras correspondant à ces deux organes sont eux-mêmes activés. Dans la salle de jugement de Mahat, ce n'est pas votre cerveau qui est pesé, mais le cœur. C'est votre cœur qui doit peser moins de 0,25 kg. Et pourquoi donc 0,25 kg? Lors de la mort, l'individu perd exactement 0,25 kg, probablement le poids de l'âme. Le poids de plume d'oiseau est estimé à environ 0,1 livre. Une fois de plus, cela nous amène à parler d'un autre sujet, le sujet des relations. Un des plus grands problèmes de cette matrice
C'est en fait le plus grand problème entre les deux genres, l'homme et la femme, l'incompréhension entre le sexe féminin et masculin. La plupart des hommes en quête spirituelle n'ont pas de problème à activer les chakras vers la tête, etc. Contrairement à la femme, et les hommes d'autre part ont leur chakra de cœur fermé. Une fois de plus, contrairement, nous sommes en mesure de voir l'aura blanche, violette, jaune et le rouge. Nous vous disions que les couleurs d'aura que vous voyez correspondent généralement aux chakras qui sont activés en vous. Une personne du sexe féminin m'a dit voir les auras vertes, rouges et jaunes. Or, le chakra du cœur correspond à l'aura verte. Jamais je n'avais vu l'aura verte et bleue de ma vie. Or, la verte est l'aura qui correspond au cœur. Ce n'est que récemment que j'ai commencé à les voir après que cette remarque m'ait été faite. Alors, la plupart des hommes ont des besoins de connaissance du cœur et les femmes, celles de la tête sacrée. Or, c'est tout le contraire dans ce monde. Généralement, l'homme va chercher à être en acquisition de la connaissance de la tête et la femme, celle du cœur, et deviennent ainsi de plus en plus déséquilibrés. Or, l'ascension, la transfiguration ne sont possibles que via les connaissances du cœur, en équilibre avec celles de la tête. Encore plus surprenant, le vocabulaire est composé de 54% de mots de genre masculin et de 46% de mots féminins. Mais remarquez que nous voyons qu'en parlant de quête spirituelle, les termes spirituels, pour leur répartition entre termes masculins et féminins, ne sont plus aussi déséquilibrés. Sans exagérer, plus on monte, plus les termes de concept de spiritualité sont des termes de genre féminin. Et vous allez dire que c'est un hasard, mais ça ne l'est pas. Et j'ai remarqué que plus nous avançons, plus nous devons faire usage du vocabulaire féminin afin d'expliquer certains concepts. Donc les visions, connais-je ce chien, pourquoi me regarde-t-il autant ? Le spider sense, tous ces trucs sont des concepts et des questions venant de la connaissance du cœur et non de la tête.